de plus. Réfléchissez. Assurez-vous de n'avoir rien oublié. Je vous ai dit tout ce que je savais. En êtes-vous bien sûr? J'ignore où se trouve ce message. Enlevez ce sac de l'autre. Quel est l'état de vos facultés, caporal? Je vous ai posé une question. J'ai entendu. Donnez-lui en une autre. C'est fortement déconseillé, monsieur. Il tiendra le coup. Caporal Dwayne X, TQ4048215E9. C'est tout ce que vous saurez. Nous savons tous deux que c'est faux. Parlons des événements qui nous ont menés là où nous nous trouvons à présent. Putain, qu'est-ce que vous m'avez filé ? Une prime. Vous les avez tous tués sur cette planète. Malheureusement, lorsque nous avons reçu la transmission de Burke avant d'arriver sur LV-426, le processeur atmosphérique était déjà très endommagé. Tous les spécimens xénomorphes ont été détruits. Par chance, le vaisseau alien et son précieux chargement se sont sortis de l'explosion, sans une égratignure. Lorsque nous avons découvert que le lieutenant Ripley, l'enfant et vous-même aviez fui LV-426 à bord du Sulaco... Elle s'appelait Newt. En fait, c'était Rebecca. Nous avons dévié le vaisseau de transport de recherche Legato et son chargement en partance de LV-426 afin d'intercepter le Sulaco et d'apporter notre aide. Et fignoler les détails. Tout est relatif. Ouais, et comment ça s'est passé? Apparemment, c'était plutôt un fiasco. Ces trucs sur le visage? Oui, mais il était mort, je vais bien. Où sommes-nous? J'y comprends rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un nous a sortis d'hypersommeil. Ou quelque chose. Est-ce que tu as vu tes parents? Non, je me souviens de rien avant que tu me trouves ici. Tes parents doivent être encore en hypersommeil. Il faut que tu sortes de là! Trouve un moyen de descendre du vaisseau. Il faut que j'aille les chercher. Écoute, oublie-les. Il faut que tu sortes de ce vaisseau.
Mais je peux te dire que c'est pas un putain de vaisseau de la colonie. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai déjà entendu des conneries pareilles. Tu t'engages pour coloniser la planète extérieure et dès que t'es en hyper-sommeil, bam! On te vend comme cobaye à des connards qui s'enrichissent sur ton dos. Est-ce que vous êtes tout seul? Non, je suis venu avec ma copine. Je cherche un terminal. Non, je suis à la recherche de mes parents. Merde. Reste avec moi, on va les chercher ensemble. Hutchins. Je m'appelle Lisbeth Hutchins. T'en fais surtout pas, Lisbeth. On va les trouver. On va les trouver et on va faire tout ce qu'il faut pour foutre le camp ici. J'ai trouvé un de ces casques au cas où on serait séparés. Pigé. Il semblerait que tes parents soient au niveau 3, mais 4. Chope ce détecteur de mouvement. Ça te permettra de trouver ton chemin. C'est parce que je passe mon temps à regarder des films de science-fiction, tiens. On en apprend pas mal, tu sais, mais je pensais pas que ça me servirait un jour. Vite, cache-toi! Dans ces casiers! Putain, Stone, quel coup ! Ça va ? Merci. Stone, on ferait mieux de décamper. Il a raison. Le mieux, c'est de s'attacher à un vaisseau de Marines pour foncer au cordon ombilical. Et foutre le camp de ce putain de merdier. Super. Je fonce aux locaux d'hyper-sommeil pour retrouver ma famille. Comme tu veux, mais ce serait mieux de rester ensemble. Thank you.
Presque. Un autre chemin. On a essayé des autres ponts, mais tout était bouché. Il faut juste trouver un moyen de se débarrasser de ces deux. C'est bien beau tout ça, mais notre puissance de feu n'est pas terrible. Vous avez entendu ? T'as déjà servi d'une arme ? Mon père m'a appris. T'as déjà buté quelqu'un ? Écoute. Viens avec moi. C'est un vaisseau de Marines, là-bas. On leur raconte tout ce qui se passe et on revient avec tout un escadron de Marines. Ils vont pouvoir nettoyer toute cette merde. Dès que je trouve mes vieux, je... Nous chercherons à partir. Assurez-vous de nous trouver un endroit où aller. Thank you.
Stone. Snake. Tous les deux. J'arrive trop tard. L'une de ces créatures l'a eu. Alors, ces connards de bureaucrates les ont tués tous les deux. Tu peux encore y arriver, Lisbeth. Rends-toi au cordon ombilical. Allez vite vous mettre en sécurité. Il me reste pas beaucoup de temps. Mais... putain, merde. Ils vont le payer. En sécurité. Ils vont tous le payer. Lisbeth, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais faire sauter le vaisseau.